Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là c'est la deuxième vidéo du jour pour les surprises pour mon anniversaire, donc des surprises pour vous. Voilà, et comme je vous avais dit, je vais faire une vidéo par thème, c'est beaucoup plus simple comme ça. S'il y en a qui veulent participer pour la broderie, ben, elles le font, pour le DP, elles le font, etc. Et si vous voulez participer à toutes les surprises de la journée, ben vous pouvez. Voilà. Alors, je vous rappelle pourquoi je fais ça. Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. 60 printemps. Oui, aïe, 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 aïe. M'en fous. Alors, ici, je vais vous demander. Déjà, si vous voulez participer à cette surprise, et là c'est pour du diamond painting. Voilà, alors il y aura deux DP, donc deux personnes qui gagneront cette surprise, enfin ces surprises. Alors, pour la petite histoire, on va ouvrir les guillemets. Il y a un des DP, c'est la troisième fois que je vous le présente pour un concours. À chaque fois, il n'est jamais réclamé. Donc, j'espère que cette fois, la personne qui va le gagner va le réclamer. Parce que là, bon, je me pose des questions sur ce DP, peut-être. Pourtant, il est très joli, hein, très, très beau. Allez, alors, je ne sais plus si j'ai les photos. Donc, je vais juste vous montrer comme ça. L'image, bon, je vais pas vous montrer les perles en détail, rien. Alors, hop, oula, là. Je remets bien le papier pour qu'on le voit bien. C'est papier transparent, souvent ça gêne un peu. Voilà. Bon, j'espère que ça ira. Alors, ça, ce sera le lot numéro 2. Voilà. Alors, je vous le montre. Voilà, un joli tigre. Une jolie tête de tigre. Alors, c'est un 30-30. Et il a 21 couleurs. Voilà. Et ce sont des perles rondes. Voilà, il est trop, trop beau. Donc, ça, c'est le lot numéro 2. Bon, bien sûr, vous avez les perles, vous avez le full kit, il y a tout avec. Hein. Hop. Alors, celui-là, je le remets dans son petit sachet tout de suite pour rien mélanger. Alors, bien sûr, vous ne participez pas pour l'un ou pour l'autre. Vous participez pour les deux. Ce sera le hasard qui vous désignera pour le DP. On ne choisit pas. Sinon, je m'en sortirai plus. Hein. Et le lot numéro 1. Alors, c'est celui que je vous dis que j'ai déjà fait gagner 3 fois. Et qu'on ne me réclame jamais. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est ça. Bon, si vous vous inscrivez... pendant que je vous parle, je remets bien le plastique. Si vous vous inscrivez, ben, soyez sympa. Déjà, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ce serait bien. Et ben déjà, en vous abonnant, vous aurez les notifications des vidéos et donc la notification du tirage au sort. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez gagné. Donc, les personnes qui ne réclament pas, souvent, ce sont des personnes qui ne se sont pas abonnées à la chaîne. Et ben du coup, ben voilà. Et par contre, ne vous désabonnez pas non plus après les concours. C'est pas sympa non plus. Alors, voilà le deuxième. Vous voyez, pourtant, il est beau, hein? Il est trop, trop beau. Bon, cette fois, j'espère qu'il va être réclamé. Alors, celui-là, c'est un 30-40 avec 24 couleurs. Vous avez les perles rondes et le petit toolkit. Voilà.
Allez, je vais vous laisser participer. Et là, on va... qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je cherche un mot. Ben là, on va dire... je ne sais pas. Alors, le mot magique. Le tigre et la fée. Voilà, tout simplement. Le tigre et la fée. Ce sera le mot magique pour que vous puissiez participer. Je cherche mon stylo. Si vous n'avez pas mis... Hop, voilà, excusez-moi. Si vous n'avez pas mis ce mot magique, le tigre et la fée, dans votre commentaire, ben, je ne prends pas en compte votre participation. Voilà. Si vous voyez que je n'ai pas répondu à votre commentaire, ben, c'est qu'il y a un petit problème dans votre commentaire. C'est que vous avez oublié le mot magique. Donc, vous pouvez toujours le modifier et le rajouter. Pensez-y. Ce concours, comme tous les concours de la journée, puisqu'il y en aura plusieurs, démarre aujourd'hui, donc aujourd'hui 12 novembre, et se terminera le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, et le tirage au sort aura lieu le lendemain, le 26 novembre. Voilà, donc vous connaîtrez le nom de la gagnante ou du gagnant le 26 novembre. Allez, on n'oublie pas son petit mot magique. Et je vous dis à très vite aujourd'hui. Et oui, il y en a encore. Bisous, bisous.